le vide. Dans de... Salut! Bonsoir à tous, vous êtes tous bons. Salut, salut! Wouh! Joli, hein? Bonsoir, salut! Opéli Lego, j'espère qu'on va gagner encore ce soir. Salut! Merci d'être venu. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bonsoir! Ce genre de public qu'on adore tous, ce genre de public que toutes les émissions envient. Bon, c'est comme ça, souffrez que ce soit qu'on ait le meilleur public. C'est comme ça, c'est par ici. Applaudissez-vous une fois de plus. Merci beaucoup. Alors, bienvenue dans l'antre du savoir s'amuser. Le maître mot ce soir, c'est l'autodérision pour la simple raison que c'est vendredi, on se prend pas la tête et on fait la... Ouais. Bonsoir. Est-ce qu'on peut se télé pour tout le monde? Mon micro, mon micro, mon micro! Allez, tout le monde, on y va! Aïe, aïe! On y va, le coup du marteau, le coup du marteau! Est-ce qu'il peut avoir une démonstration, le coup du marteau? Allez, on bouge dans tous les sens, on fait du bruit! Vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. On fait du bruit! Alors, comme vous le savez, tous les vendredis, c'est le show, c'est le show, c'est le show! Et je me permets bien sûr d'annoncer le premier chroniqueur, il s'appelle Ben Sadia, le maître du Vla. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour lui? Le maître du Vla. Alors, mesdames et messieurs, celle qui arrive, c'est la reine des chemises, la plus belle de sa génération. Elle en fait maintenant dedans. On fait du bruit pour Reiti. Reiti, on fait le bruit pour elle. On l'applaudit. On se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Tête. Yeah. DRK on the mix. On se voit pas la tête.
par ici. Pour ceux qui nous découvrent la toute première fois, sachez que vous suivez Madame, Monsieur, bonsoir. En direct des locaux de RTI, l'émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. Et par ici, nous récompensons tous les jours notre public qui vient nous assister, qui nous fait justement l'amitié d'être très, très, très fidèle. Alors, la roue, ce soir, bon. T'as précieuse ou pas? Non, 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 c'est ça. Un. Mais Obélie, elle est là aussi. Elle est là. Elle est là, hein. Non, Obélie, Obélie, c'est pas sûr. Ce soir, il aura quelqu'un d'autre, c'est quoi? Hein? Ah, son voisin dit en tout cas, laisse-nous gagner, Obélie. Bon, si vous tournez réellement, bien, la roue, vous pouvez repartir ce soir avec 50 000 francs ou encore des cadeaux, des t-shirts ou simplement, vous tournez trop fort, ça sera un poteau. Ah, c'est comme ça, ce sont les choses de la roue. Mais honnêtement, je ne souhaite pas que vous repartez ou que vous tombez même sur un poteau. Nous devons tous gagner ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une émission qui est là pour faire des heureux. On est très ravis d'être en votre compagnie. Nous aurons des champions tout à l'heure sur notre scène. La roue, c'est bon maintenant. Il y a quoi? Ah, tu vas tourner. Elle est comme ça, elle est. La roue du bord, elle est un peu capricieuse. Alors, Gwaisa Jai, comment ça va? Je vais très bien. Nous sommes vendredi aujourd'hui et demain, c'est le 16, bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes le 15. C'est un jour exceptionnel pour nous, les artistes, parce qu'il y a eu aujourd'hui la répartition au niveau du Burida. Je suis heureux. Ça veut dire qu'il y a eu de l'argent. Bon, il y a eu combien, je ne sais pas. Tu vas avoir, mais. C'est ça. Tu nous arrêtes ça. On t'a vu danser le chouchou de Jolie Amina, là, c'est que l'on est basé. Faut pas te fier aux apparences. La question est des Allons-y, Raïté. Mais Raïté, oui. T'es aussi artiste, on t'a appelé ou pas? Oui, c'est ce que je lui demandais tout à l'heure, là. Est-ce qu'il va avoir? Moi, t'as fait la question. Oh, là, vraiment. Oui, c'est très sérieux. On chante, il passe partout pour prendre l'argent, mais on sait pas à qui il donne. D'accord, ok. C'est noté. Voilà. Ah, donc, tu es au courant qu'il y a eu répartition? Je sais. Donc, tu te sers fortement ici. Sinon, t'as la pêche à bas. Oui, ça va. Je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Ouais. On est hyper ravis. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer le béret. Oui, oui. Du vendredi soir. Et à l'honneur, nous avons Didi B et David Taïro. Petit conflit avec le groupe Zouglou Makers et aussi avec Magie System. On aura le temps d'en parler. Oui, absolument. C'est important. Pour le moment, on va commencer avec Didi B, c'est Raïté qui prend la main. Comme vous avez pu constater, comme on a pu le constater bah, sur la toile, on a constaté que Didi B et Kérosène et Kaes Bloom voilà, ont rendu visite enfin, à la première dame des enfants bénis de Dieu. Comme on peut le voir sur la photo. Et puis, il y a Kérosène qui allait faire la présentation de son album et soutenir aussi l'ONG de la Première Dame. Mais Didi B étant très malin, comme vous avez pu constater, il a offert la somme de 3 millions à la Première Dame. Bon, on n'a pas trop compris, mais en tout cas... Mais ce que tu donnes là, c'est ce que tu vas avoir. C'est qu'il a semé. Il va maintenant, il va récolter. Non, on a eu un exemple avec... C'est le plus... oui, on avait le... Oui, le feu Félix Mabonyi, notre père fondateur, Alpha Blondy lui a donné, je ne sais pas, 1 million. Mais je crois qu'après, Oufou lui a retenu près de 20 millions. On attend que Après un an, il retourne à 60 millions. Sait-on jamais. Est-ce qu'il n'a pas déjà reçu? On ne sait pas aussi. En tout cas, tu es très esprit frais. Quand même, franchement, parce que c'est ce qu'on appelle poisson vit dans l'eau, mais c'est le noyer. Ah, bon, d'accord. Vous partez présenter album. Ils ont chanté qu'ils obéissent. Petite donne. Non. La prochaine fois même que moi j'irai chez la première dame réalité, quand on ira là-bas, parce que tu vas avec ce talent, si on va nous recevoir aussi. Oui, bien sûr. On ne va payer les pains qu'il t'a. On paye beaucoup. Puis souvent, on se couche comme ça. Et puis on dit elle aime beaucoup rouge, elle est rouge aussi. Voilà. Ça, c'est mon domaine, ça. Voilà. Donc on va rajouter. Donc quand vous faites ça, et nous les hommes, on fait quoi à côté? Mais Didi va montrer, il t'a montré ce que. Ah, il faut que j'offre 3 millions. Voilà. Exactement. Mais comme c'est pour écrire sur papier, moi ça ne me dérange pas.
J'ai pas même écrit 100 millions. C'est des gens qui sont pas compliqués, hein. Non, elle a se fie à l'apparence. Oh, il m'a offert un chèque de 100 millions. Oh, les choux, donne-lui 800 millions. Elle a ses liquides. C'est de ce qu'il s'agit. Le temps qu'elle va dire, il est où, attrapez-le là, il se plisse. Mais c'est vrai, ça reste la première, madame. Mais... Oui. Raconte-nous tout sur cette histoire des Ogoumékas. Non, l'affaire est sérieuse, l'affaire est même très grave. Ah bon? Mais c'est un béret du siècle. Mm-hmm. Peut-être classé parmi les trois premiers bérets. David Edson Taïro est sorti. Mm-hmm. C'est très rare de la part de ce cher monsieur. Totorino, le samouraï, l'arrangeur incontournable ici à Abidjan, on le sait. Il est donc sorti, il a dit qu'il a été grugé. Il a été humilié simplement parce qu'il estime qu'après un chemin fait avec un certain groupe du nom de Ogoumékas, c'est pas ça qui devait lui revenir. L'ingratitude, il l'a vécu. Il dit qu'il ira jusqu'au bout. Mais pourquoi ira-t-il jusqu'au bout? Question. Ogoumékas, t'as fait quoi, le vieux? Le vieux dit, écoutez, ils sont allés à la SACEM, donc c'est la grande maison des droits d'auteur ici, enfin, dans ce monde. Mm-hmm. C'est installé en France. C'est pas Burida. SACEM, c'est plus là. En tout cas, comment lui, David Edson Taïro, Totorino, ne voit pas son nom sur les fichiers là-bas en tant que producteur et qu'il voit un autre nom? Je peux citer le nom? Mm-hmm. Ou j'avance? Ah, cite. Gaou Production. Oh! C'est un magique problème. C'est ça, non? Uh-huh. Hein? C'est Gaou Production, Magie System. Qui a dit? Ah! Attends, je suis un peu. Tu as... c'est... Moi, il a dit Gaou Production. C'est toi qui as dit Magie System. Mais qui a la tête de Mais Gaou Production? Mais il savait en réalité voilà. que tout l'album, depuis Jamo jusqu'à On s'envole, Edson David Taïro a été du début à la fin. Mais comment se fait-il que lui, en tant que producteur, son nom est ici au Burida? Mais arrivé une fois à la SACEM, son nom disparaît. Mm-hmm. Voici mes mains. Pourquoi? Il dit, mm-hmm. le nom qu'ils ont mis à la SACEM, là, tant que son nom n'est pas là-bas, il ne lâche pas l'affaire. Voilà un peu. Et on se dit, mais attends, les Ogoumékas, on ne peut pas faire ça. Paix à son âme, oui, Jean-Roger est parti. Et ça a été même fait avant la mort, la disparition de Jean-Roger. C'est-à-dire que Jean-Roger lui-même était d'état. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux savoir. Maintenant, Jean-Roger n'est pas là. Comment ils ont fait tout ça là? Puis David Taïro n'a pas pu savoir. Et c'est maintenant, oui, combien de maintenant, temps après ouais. là? Vous savez, les voix du Seigneur sont un sondage. Un sondage. Me dira l'autre qui est juste derrière ses caméras. Dites le salut, le chantre. Je veux dire, c'est la relation. Un matin, il se lève, on dit le vieux, regarde, je t'envoie 1 000. Qui regarde comme ça? Il dit non, attends, est-ce que j'ai pas Apollo? Il sent se laver. C'est pas son vieil, il se lave lui-même et puis regarde, c'est son nom qui a disparu. Chaka. Et la place de son nom, Gaou Production. J'ai encore affaire. C'est pas moi qui ai dit. Il est sur papier. Où est ça? Baisse. J'ai imprimé. Hein? Autant où faire affaire. On va applaudir à toi. Tu te rappelles bien, oui, oui. quand Arafat disait là, où il avait dit non que le vieux père avait barré son nom à sa Mais dis le nom où est. C'est-à-dire que c'est une histoire de barrage de nom. Oh, alors quand on parle de barrage, il y a l'électricité, il y a l'eau. C'est ça. Donc qui sera noyé? Question. C'est de ça il s'agit. En Zouglou, ce mec, hein. Et donc, ouh, c'est allons ça. Ah là 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 là. Seigneur. C'est quoi ça? Hautement. Non, non, oh, non, non. Hautement. Oh, je ne suis pas satisfaite. Belle Sunglou. Allons ça. Look at le béret. Donc tu as aimé le béret? Oh, yeah. Un peu à la sauce. On a aimé ou pas? On a aimé. Alors, bien sûr que nous avons aimé. Et on va fermer cet instant au béret avec une nouvelle qui ne va pas ravir le cœur, en tout cas des grands sportifs, des footballeurs. Pourquoi? Parce que Wilfried Canon a annoncé ce soir à travers, en tout cas, je vais dire... une annonce que Sportmania qui arrête sa carrière, qui part en oui sa carrière internationale. Wilfried Canon, c'est pas le petit défenseur qui était sur le côté gauche là? Oui, champion 2015 ah, d'ailleurs. J'applaudis un peu en même temps. Je crois que il a choisi le bon moment. Le moment sera venu bien avant la CAN pour lui faire un vrai et un bon jubilé. Exactement. On a au moins 6 stades. Si on a pris Ebimpe. On pourrait lui faire un truc un peu plus... Oui, mais malheureusement, moi, c'est ce qui me fait un pincement au cœur, ce sont les causes
Tu vois, ah, il y a une raison. Oui, parce qu'il est très malade. Oh. Et depuis là, il ne se retrouve pas. Oh là là. Et depuis, il a fait une crise cardiaque. Clubs, ouais. Voilà, donc il a dit que ça ne sert à rien d'insister. Revenez sur le terrain. Après, on connaît les supporters Mazo. Hein. Ouais. Tu as forcé, tu as venu. Ah, oh, il ne vaut rien, il fait quoi son même. Son côté, là, l'air passe trop là-bas. Oh. Enfin, c'est pas mieux, il va quitter. C'est pas mieux. Hein. Franchement. Parce que JNB, il est très violent. Hein. C'est des supporters qui insultent mal les joueurs. Dans l'écran même puissant qui vraiment, félicitations, en tout cas, pour ces moments de vibration, pour ces moments où tu nous as fait... De joie. Voilà, tu nous as fait crier de bonheur et beaucoup de courage aussi pour la suite et que Dieu t'accorde la guérison nécessaire. Merci beaucoup. C'était l'instant Béret du vendredi soir en mode MMP. Sur ce, c'est l'heure... d'installer nos invités, car ce sont eux qui vont porter la fluctuation. Donc, à la température de cette émission va dépendre de... Si l'émission sera du flop ou sera top, ça va dépendre de, ça va dépendre de leur ambiance. Ah bon? Ah. Vous savez que... Est-ce qu'ils vont vouloir s'amuser avec nous? Est-ce qu'ils vont vouloir se fondre dans la masse? On va le découvrir juste après l'instant. Invité, jingle. Allez, ton don don. Je ne sais pas si vous avez connu ce dessin animé. C'est Junkie le champion était mon courage. Même quand tout va mal, il lève ça, le point. Ouais, et elle chante. C'est l'album qui sort pas, sinon elle chante. C'est ça. En fait, c'est quand je vous vois, vous parlez... Album n'a rien, comme ça, et puis l'album faisait... Pardon. Tu vois, j'ai envie de couler comme ça. C'est le moi qui les met à l'écart, c'est pas eux qui mettent les... C'est mon cas. Voilà. Sinon, j'ai la motivation. Vas-y, chante. Chanter. Junkie. Voilà. Vas-y. Alors, notre guest du soir, c'est un Junkie le champion. Il est fort. Il a été champion international, deux fois champion international, quatre fois champion d'État. On est vraiment fiers qu'il soit sur notre plateau ce soir. Merci d'accueillir, s'il vous plaît. Sharif, on est. Sharif, en tout cas, merci d'être là. Attention, c'est un boxeur. Attention, faut pas trop t'approcher. Approcher. Oh, t'as vu? Oh, y a le t'as vu? Ok, on se retrouve tout à l'heure. Oui. C'est toi, tu vois. Tu es bien installé, hein? Ah, s'il n'aime pas ça. C'est un wesh wesh. Il aime ça. Oh, arrête. Ah, il aime on applaudit Sharif, allez, s'il vous plaît. Alors, celui qui va nous rejoindre maintenant, lui, il ne tape pas pour vivre. Il tape pas avec les points, mais il tape avec les rimes, avec les punchlines. Voilà. Et c'est quelqu'un, faut reconnaître que son nushi, son rap à lui, c'est un rap hardcore. Il dépeint les réalités ivoiriennes entre nushi et drill. Et il est le concurrent direct de Didi B. Aïe. Tu as compris, non? Oh, c'est lui, 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 c'est lui. Merci. Je réagis à ta bêtise. C'est ça. Alors. Méchant comme Morita. Eh, Asada. Et comme mon cœur veut se garder, j'agisse le système solaire. Tu connais nous. Dès ta pause, il y a vu un truc. Eh, Asada. Non, on va regarder la caméra ensemble. Eli, c'est là qu'elle a coin. Un bâton dans sa bouche. Ouais. Ah, tu jouais ça. C'est Ice. Ah, tu manges. Tu manges. C'est le latte. C'est ça, on dit, il y a les debout et il y a les coulés. Ah, je te reçois pour les deux. Non, Yuyu, c'est un coulé. Tu sais. Écoute la musique, bouge un peu, tu vois. On est vendredi, non? D'accord, vas-y. Regarde, comment il fait? Attends. J'ai besoin de quelqu'un pour m'apprendre à bouger comme les lattes. En vrai, j'ai besoin de m'apprendre. Parce que c'est nous, on danse le robin sur moi. C'est comme un instant. Vas-y. Bon, main. Comme je crois que celui-même qui chante le son, c'est un petit nushi déjà, donc on peut aller. Allons, on va donner le retour à Descartes, s'il vous plaît. On va essayer quelque chose. On attend, hein.
tous. Non, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Même Zouk. Ah ouais. So hondo ku so that is quick Vendredi, on se reprend la tête, on fait là. Ouais. C'est exact. Alors, Rimka, Sharif, bienvenue sur le plateau de Madame, Monsieur, bonsoir. J'espère que vous êtes hyper prêts à vous amuser avec nous. On vous a montré la coloration, ça c'est comme ça. Hein. Vous allez danser, vous allez chanter. Absolument. Ah, ça va chauffer. Ah, lui, danse pas. Tu vas lancer. Non, il va lancer. Nah. Hey, c'est un enfant. C'est dead. Et justement, parlons de chanter, c'est l'heure de la bio chanter. Je vous explique le principe. Alors, mes co-animateurs vont vous poser des questions en chantant sur un beat et vous devez répondre aussi en chantant sur le même beat. Yeah. C'est comme ça. Et c'est comme ça, c'est madame, monsieur. Bonsoir. Et toi, tu réponds en chantant. Et c'est top. Départ, c'est parti. D'accord, le son. C'est doux, hein? C'est tranquille en plus. Doudou, vas-y. Laisse-le. Imra. Alors, ma question est à Imra. Lui, elle t'envoie la question et tu réponds. Tu réponds. Après elle. Alors. Quand tu as choisi de devenir artiste, comment tes parents réagissent? T'as entendu la question, non? Hein? Au début, la vieille voulait pas, mais après, elle a accepté. C'était Dieu, mais je l'ai fait avec la foi. Et puis Dieu. Yeah! Yeah! Regarde la table de fort! Alors, déjà, avant que tu prennes la parole, oui, vas-y. Petite précision, notre boxeur est chanter. Américain. Il est afro-américain. Il rigole. Comme on dit le jargon, son français n'est pas bien arrivé. Okay. Ah bon, vous comprenez? Il n'a pas encore parlé, c'est vrai. Ouais. Il vous comprend très bien, ouais. Mais c'est très, il est lent. Okay. En fait, il ne comprend pas assez bien le français. Donc, c'est un français très anglicisé. Ouais. Exactement. Non, il parle. Le français à poco poco. Franglish, ouais. Voilà, exactement. Ah, je sens qu'on va rigoler. Exactement. Il fait du franglish. T'as tout capté. Merci beaucoup, Descartes DJ. On applaudit Descartes parce qu'il est dans le fond, là. Il fait. Yeah. Voilà. Allons. Eh, hey, envoie le son. Mamina ita gwe ta ikone wa be gwe tu es allé aux États-Unis est-ce parce que tu étais un vrai bagarreur ou est-ce que c'était parce que tu aimais la boxe la mini ta ikone gwe bat beaucoup, yeah. On paye, il dit pourquoi tu pas fait la boxe, je pense, je vais faire, yeah. Parce que je gagne, j'ai beaucoup de l'argent pour Ivarian, yeah. Ah. Alors, il a dit, si j'ai bien compris, il a dit vas-y, que traduis.
Ouais, je vais essayer de traduire. Ouais, ouais. Et qu'il se bagarrait beaucoup avant, quand il était tout petit. Et son papa lui a demandé pourquoi il aime se bagarrer. C'est ça. Et il a dit que lui, il aime faire la boxe. Donc, il a les moyens d'aller de l'autre côté pour gagner beaucoup plus d'argent. Et les gars, on applaudit. Voilà. Bravo. Alors. Aïe, aïe, aïe. Imra. Ok, mais toi, tu n'as rien dit. Ton vrai métier. Hé, chat. C'est son travail qu'elle a. Quel est le plus grand défi que tu aimerais relever dans ta carrière? Yeah! Yeah, yeah, yeah. Le plus grand défi. Un. D'abord, je dois faire le palais. Après, je dois faire Ivoire. Après, je dois faire tous les stades. Yamoussoukro, Boaké, Abidjan, Benjerville, partout à Paris, Sénégal, au Mali, cet été. Hey, yeah, bravo! La vie pour les et la vie différente. La vie pour les ah, yeah. La vie pour les guas. Et si la voix, la vie pour les guas. Vraiment bien, les gars! Oh, tu as chien, gars! Les gars, pas le fond, maman. Parmi tous tes combats, dis-nous un peu. C'est lui qui t'a le plus maté. Ah, Tarifoné, le maître du Vla. Un peu le combat qui t'a marqué. Yeah. Ah, ah. Tarifoné, quel est le combat qui t'a le plus marqué? Quel est le combat qui t'a le plus marqué? La boxe, ouais. Quels sont les matchs qui t'ont plus... Où tu as frappé quelqu'un puis tu dis, ouais, il a frappé ça. Oui. Yeah. Tu vois, aux États-Unis, je frappe tout le monde. J'ai pas fini. Ouais. Demain, je fais la même chose encore. Je dois dire la compris. Tu frappes, tu frappes, tu frappes, tu frappes. Il dit qu'il a un combat demain. Mais frappe qui? Il dit qu'il a un combat demain, hein, si j'ai bien compris. Ah, il y a un combat demain, Youssou. En plus, oui. On aura l'info. On pourra décortiquer tout à l'heure. Ça fait ça mal. Donc, merci bravo beaucoup. C'est la vie enchantée de Imra et Sharif Oné. Yeah. Il est, lui, tous les juifs frappent les juifs. À Zurich, il frappe. Il va en France, il frappe. Partout, il va, il frappe. Ouais. C'est grave. Allez, on va répondre aux esprits. Oh, hein, on va souffler un tout petit peu. Grâce à la menthe, le pain. Qu'est-ce que je raconte? Allez, le medley. Grâce au medley, voilà, de nos invités ce soir, Imra et Sharif Oné. Yeah. On va les glupas. Sont nos guests de ce soir et on verra s'ils feront des heureux à travers leur boîte magique. Le premier à tirer et bien évidemment, Sharif, on va espérer que le numéro qui nous donnera remportera un cadeau. 22 ce soir. Non, 22. Le numéro 22. 22, il n'y a pas 22? Non, c'est pas elle, c'est pas possible. D'accord. Elle en applaudit, elle s'élève, c'est elle qui a 22. Non, si c'est elle, non. Quoi, c'est elle.
Ça qui s'élève pas là. Alors, on va vous demander de rejoindre la roue, s'il vous plaît. Ah là, là ah, il y a des dit... gens, il y a des gens à côté qui me disent ah non, on veut pas. Alors, allez tourner. C'est simple. Il faut tourner, hein. Tourne. Vous aurez la possibilité ce soir de repartir avec 50 000 francs, des t-shirts ou encore des cadeaux. Et si vous tournez mal, ça sera en... poteau. Vas-y. C'est clair. Poteau, c'est parti. Allez, 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 allez. Oh, ça vient. Voici, ça risque de ressembler à un poteau. Oh là là, poteau. Madame Morissette Foissy, qui est la promotrice de Miss Culturelle. On aura le temps d'en parler tout à l'heure, juste après le stand-up de Silencieux. On va poursuivre cette émission. Absolument. Avec... Avec le quoi? Premier à toucher. Un jeu et de... Je vais demander, est-ce qu'il y a un gobelet pour moi quelque part? Ou une tasse? Est-ce que je peux un avoir gobelet... une tasse? Alice? Donc à sable. Parce que ça va surfer. Voilà, je prends moi juste quelque chose rapidement. Alors, le temps que le boîtier arrive, je vous explique un peu le principe. C'est que vous allez jouer un contre un. Le bol sera au milieu. Voilà, tout comme ça. Et exactement. Donc, voilà, tout en bas, là. Ah, c'est là? Exactement. Tu fumais avec le boxeur, là? Ah, ça, et ça, le ça, premier ça. À toucher la tasse, ou la première à toucher, est gagnant. Et ensuite, suite, le gagnant va jouer avec tout le monde, comme d'accord. Ça. D'accord. Voilà, et celui qui perd, il part. On est chaud. On est chaud, c'est bon? Okay. Est-ce qu'il a compris? Donc, je vous explique un peu. Bess, tu viens en faire un exemple? Absolument. Voilà. Il faut toujours tester. On va tester un peu. Donc, je suis avec Bess. Qui a la bite? Qui a la bite? Non, mais fais face, fais face. Voilà, et donc on fait face, on est comme ça. Donc... Tu dis, tête, on fait tête. Tu dis, genou, on fait genou. Tu dis, dos, on fait dos. Tu dis, genou, on fait genou. Tu dis, cheville, on fait cheville. Et tu dis, quand tu dis, tasse, on doit prendre la tasse. Ok, d'accord. Et la première personne a gagné. Ok, voilà. Donc, c'est parti. On est chaud, hein? D'accord. C'est quand tu veux. On est là, comme ça. Tête. Genou. Ventre. Oh. Bacha. Cheville. Tête. Il a dit tête. Tête. Voilà, okay. En gros, c'est ça. T'as c'est compris le, c'est le jeu. Ok. Voilà. Donc, je on va démarrer. On va commencer Imra et Sharif. Ouais. Hey. Voilà. Hey, Sharif, tête, head. D'accord. Faut bien articuler les gens. Non, mais il comprend. Tasse, tu connais Tasse. Allez. Allez, en position. Position. Je te charge ça. D'accord. Tête. Tête. Ok. Il joue pas avec le travail. Il n'aime pas perdre. Non, non. Tête. Tête, tout de suite. Dos. Dos, rapidement. Pied. Mais... Oh, dis donc, ça fait... Tasse. Non, c'est pas terminé, Imra. Imra, tu vas jouer avec... Raïté. Raïté. Oui. Tu vas jouer avec Raïté. Tu ça. Raïté, on profite en même temps pour faire un coucou à Sony et Patricia Quadio qui ne sont pas de la partie ce soir pour des raisons personnelles. On vous aime et rendez-vous la semaine prochaine. Allez, position. Ouais. Raï même là. Chaussures. Chaussures. Mais. Dos. Visage. Tasse. Ah, attention. Ça va se casser. Yeah! Il est rapide, hein? Il y a un moyen à faire maintenant. D'accord. Oui, c'est ça, il est grand. Les gars, applaudissez pour moi. On applaudit. La finale, c'est bien. Ça vient. D'accord. Alors, je me mets. Je me mets là. Ah là 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 là. Mais toi, tu n'as pas les chaussures là qui étaient où? Comment chaussures? Oui, tout ça, c'est dans le jeu. Même main. Ok. Même main dedans. On est comme ça, hein?
Bon, attendez, venez quand on vient, venez par ici, on va mieux attention, voir la tasse. Glisse, voilà, en fait. Pour éviter qu'elle glisse. Ça peut pas, ouais. Voilà. Il faut venir. Vimo les preuves. Pantalon. Oh, c'est quoi ça là? tête, dos, mains, cuisses, pieds, bouche, nez, tasse. Ouais, il est vrai, il est vrai. Il est comme ça. Quand il est main, il est quoi? Il est grand, il est grand, ouais. Bravo, Ira. C'est cool. Wow. En tout cas, on applaudit. On applaudit une fois de plus. Ira, vraiment. Il veut se tuer. Yo-Yo, il aime ça. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Yo-Yo, c'est notre assistant réalisateur. On applaudit très fort. Voilà. Au commande ce soir, nous avons Patricia Kouadio juste à côté d'elle, a coulé de tous les... Non, ça doit être debout actuellement, hein. Yasmine, qu'on applaudit, s'il vous plaît. J'oublie pas tous mes cadres, que je retiens rarement les noms. Sachez qu'ils vont me frapper un jour pour ça, mais s'il vous plaît, ce soir, tolérez. À partir de lundi, je retiens les noms de tout le monde, tous mes cadres. Mon ingénieur de son. GNB. Jambi. GNB, Jean-Noël. Ah oui, Jean-Noël, ça, on le connaît. On applaudit notre chef de plateau, s'il vous plaît. C'est grâce à lui que nous avons une ambiance aussi folle. J'oublie pas mon assistante de tous les jours. Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles. C'est grâce à elle, je suis jamais essoufflée. Merci beaucoup. Et oui, mon rédacteur en chef, monsieur Athanas Konan. Ah, c'est lui, Athanas Konan. Ah ouais, c'est lui. Tu le connais. D'accord. Allez, c'est l'heure maintenant de jouer avec les signes. Vous allez danser avec les signes. Alors, explique. Danser avec les signes. C'est quoi le lien? Bon. Yeah, c'est Vendelier, hein? C'est chaud. Ouais, c'est dosé, hein? Alors, on va vous mettre une image quelconque. D'accord. Ça peut être un chien, un poulet, une lagune, une moto. Hein. Et comme on le sait bien, on le sait tous, nous, les Africains, on a toujours une musique qui s'accompagne d'une image, d'une situation. Mmh. Et même au-delà, même pas les Africains seulement, les Européens, les Asiatiques et tout ça. Donc, à l'apparition de l'image sur l'écran, dès qu'elle va vous jouer une musique qui va avec. Nous, on s'accorde. Et danser la danse qui correspond à l'image que vous allez... Donc si c'est un arbre, on danse comme un arbre. Mais c'est ça, parce que je ne sais pas. Hein. Vous allez si voir. C'est de là une maison, on danse en maison. Vous allez voir. Vous allez voir, ne vous inquiétez bah, pas. Essayons. Le premier à commencer, c'est qui? C'est toi? C'est toi, bébé. Premier, on va le découvrir ensemble, la première... première image. Hein? C'est un poulet... raïté. La danse du poulet. C'est la grippe aviaire. Attends, on va danser ça quoi? Oui. On danse ça. Ton challenge à toi, c'est de danser la danse du poulet. La grippe aviaire. Mais non, mais honnêtement, comment danser? Montez-moi. Il va dans tous les sens. La danse, c'est la danse du poulet qui va avec. Ça dépasse con. Voilà ça. Est-ce que c'est ça la danse? En réalité, on veut, danse, on veut la danse du poulet. Mais comment ça, la danse du poulet? Comment ça se fait? On est grippe aviaire, on est grippe aviaire. Non, mais viens par ici quand tu vois bien. On applaudit réalité, s'il vous plaît. Alors, ok, donc on reprend les cas. On va lui montrer la danse, là. Oui, grippe aviaire, allons. D'accord. Non. On va aller un peu plus. On a qu'à devenir fou. Si, ailleurs. Ok. On applaudit. Agrippa. Tu vas juste chanter. Non, je sais danser, mais votre danse de poulet, là, vraiment, c'est chou. La deuxième image. Moi, c'est danse de... Pas moi. Je sais pas trop c'est qui. Ils vont te donner. La production. Waouh, waouh. Tu as vu? Il y a elle ou pas? Imra, la régie me dit que c'est toi qui as choisi. C'est lui. Alors Imra... Ah oui, il y a la chanson là. La danse du serpent. Bon, côté ça, elle est désactivée. Imra, viens. Je mais c'est pas moi. Pas le... Non, viens. Je t'encourage. Viens. On encourage Imra, s'il vous plaît. Imra, viens. On va ensemble, viens. Ça donne le serpent, c'est vrai. Non, t'inquiète pas, c'est juste 2 secondes. On est à la télé, tu me montres comme ça, hein? Imra, c'est pas compliqué, viens, je t'accompagne. Viens. Non, il laisse pas. Non, viens. Non, il danse pas, laisse. Il danse pas. Il dit, danse pas, oh. Si tu danses pas, c'est que tu vas chanter. Choisis. Chanter quoi? Choisis. Une impro.
Ok. Sur ce même son, tu m'improvises quelque chose? Oui, sur le... Possible. Donc tu chantes pas. Le mood même est bizarre même. Le mood de serpent là. Bon, peut-être qu'il n'aime pas en fait. Il n'aime pas les histoires de serpent. Il faut changer de maison, tout comme ça. Un autre truc, une autre image. C'est pas mon giga même. C'est pas mon giga même. Ah, la danse même, c'est pas le giga. C'est une danse d'un dos que tu dois nous faire. Ouais, mais je dis, c'est quelqu'un qui dit même il danse pas. Ok. Ah, ok. La prochaine image. Oh, mon frère, son qu'elle a. Il a dansé. Non! Chier! Bon, après, c'est pour. Ben, c'est toi! Et puis, c'est toi qui peux bien faire ça pour nous en plus. J'aime pas ça! Moi, je danse pas! Hein. Yeah. Moi, je danse pas! J'aime pas ça! Personne ne dit soir, on dit si bien. Dans une petite guinche, on dit si bien. Chez mon ami Milou, on dit si bien. Mon ami Milou, hein? Mais un autre grand cyprès. Tout le monde avait où? Ah, tu connais? Le chien lui s'éclate. Bravo! Bravo! Oh, là, c'est ça. Et bien, je danse. Je vais plus m'arrêter. Oh, non! Alors, bravo, Ben! Bravo, Ben! En tout cas, ça c'est la danse du chien, vraiment. Merci, merci beaucoup. Alors là, ça, je crois qu'il reste qu'une seule personne, c'est bien sûr Sharif. Sharif, rassure-moi, tu ne feras pas le coup de je danse pas, non, c'est bon. Chérie, il va boxer, danser, montrer les gants. Hein? Oui, tu ne feras pas ça? Gants, hein? Tu ne feras pas ça, j'espère. Ouais. Ok, super. Non, on applaudit Sharif. Putain, je me déplace, Sharif, viens. Ah. Mais il s'agit de quoi? Maman, le son, man. Décar, ça correspond? Mapuka, Mapuka, mais ça? Mapuka. Prenez le Mapuka. Viens. Ok, justement. Baisse, viens, tu le montres un peu. Allez, on va aller avec Baisse. Mais c'est pas compliqué, un peu seulement. Ah, une autre chanson, non? Ouais. Mais tu as inspiré. On danse, nous on danse. Même si il fait chaud, il pleut, on danse. Et là, c'est la vie. Non, mais ce soir, par contre, on dit quoi à nos invités? On est fâchés ou pas? Non, on n'est pas fâchés. Ils vont se rattraper. C'est chaud. Hein? Ouais, ils vont se rattraper tout à l'heure. Eh, c'est là. Go. Ok, donc ça c'est ton mood. Ça c'est bon? Ça c'est la musique du cerveau. Ah, d'accord. La piste appartient ou pas? C'est bon. C'est bon? Non, c'est pour le cerveau. Ah, c'est pour le cerveau. Ça fait réfléchir, c'est pas pour les fesses. Non, c'est pas pour venir, c'est déranché. C'est pas pour les fesses. C'est grave. Alors, après avoir sauté un peu, dansé, couru, s'est déambulé, c'est l'heure de faire une petite pause humoristique. Et celui qui va nous rejoindre, c'est quelqu'un. Lui, il a l'art de vous faire digérer, de vous faire avaler la pilule de la comédie. Rien que son visage, déjà, vous souriez. Si vous ne me croyez pas, il est silencieux dans son humour, mais bavard dans ses actes. On applaudit, s'il vous plaît, le silencieux. Le silencieux. Madame, monsieur. Bonsoir. Les gars, Abidjan est risqué. Si tu n'as pas encore vu, faut pas te dire que ça n'existe pas. Ce matin, je me rends au marché pour faire mes courses. Dès que je rentre dans le marché, j'entends voleur, ils sont en train de frapper un jeune. Mais je dis, mais il a fait quoi? On ne me répond pas. Coup de poing, coup de pied. Il y a une vieille même qui n'a pas de dents qui est venue le mordre quand même. C'est la femme guérée là qui pense à vous. Quand même. La femme guérée. Il y a un qui dit, lui-même, il n'a qu'à répondre. C'est-à-dire, tellement ce qu'il a volé là, c'est gênant. Non, c'est que c'est grave. Il dit, mon ami, tu as volé quoi? Il répond pas. Il y a un autre qui l'a giflé. Tellement il a giflé, il a crié Baya. C'est Baya, lui, Baya. Baya. J'ai volé Baya. Ouah! Il dit, dans ma chaîne là, c'est Baya tu as volé. Non, il a gâté son nom. Et on me dit que le Baya était sur la fille, il a volé, même elle n'a pas su. Ah non. Il dit, Non, un gars comme ça, on ne doit pas le frapper. On doit le décorer.
Il dit, laissez-le. Comment il... Mon ami, tu nous dois des explications. Il dit, explique-nous. Il s'est levé. Il dit, vieux père, tu as sciencé. Sinon, ils allaient me tuer même. Il dit, explique. Il dit, le vieux, vrai, vrai, là, aujourd'hui, moi, je ne suis pas venu au marché pour voler. C'est mon jour de repos. Ah. C'est dans le repos qu'il a fait ça. J'ai accompagné mon gars. Là, il va faire mon guet. Donc, on est rentré dans le marché. On a commencé nos opérations derrière là-bas. Mais arrivé ici, là, la fille, elle est passée, elle son coulant. C'est ça, mon gars a dit, ouais, bon coulant aussi, avec le baïa qui va avec. C'est ça, moi, je lui ai dit, mais attends, tu es venu travailler ou bien c'est affaire de baïa? Si c'est baïa, là, la fille, là, moi, elle peut prendre son baïa, mais elle ne va pas prendre. Et puis, il me dit que c'est faux. Il dit, mais viens, on va parier 10 000, 10 000. Donc, moi, je suis passé devant le mousseau. Il a laissé tomber un billet de 2000. Voilà, il a filé elle-même, c'est une voleuse. Elle a regardé à droite, elle a regardé à gauche, et puis elle s'est abaissée, elle voulait prendre le billet. Donc en s'abaissant, le baïa est sorti derrière. Donc moi, j'ai mis l'âme dedans. Au moment de se redresser, j'ai pris ça. Je partais en voulant mettre dans ma poche la vieille maudite qui vend porc là. Elle dit, maman, oh. Il a volé ton baïa. C'est à cause de ça on dit porc là, c'est haram. Donc quand elle a fini de dire ça, les gens sont tombés sur moi, ils ont commencé à me frapper, Ce qui est sûr, ils n'ont qu'à finir. Moi, j'ai gagné mon pari, je vais aller prendre mes 10 000. Alors. Habitat a risqué, hein. Le silencieux. Il a tué en 2 minutes 30 secondes. Bravo. On applaudit le silencieux. Exceptionnel. On merci beaucoup. Vite, bien comme ça. Je te jure, je voulais dire, il est vraiment fort. On applaudit une fois de plus, on est silencieux, s'il vous plaît. Alors là, celle qui va me rejoindre, c'est Madame Morissette Kouassi. Elle vient? Oui, elle vient avec nous. Car avec elle, nous allons en savoir un peu plus sur le Miss culturel. C'est la présidente qui est là. Hein. Oui, vous êtes la promotrice. La présidente, là-même, oui. C'est ça. Allez-y. Vous allez bien? Bonsoir. Oui. Vous êtes aussi timide comme ça tout le temps? Parle dans le micro, maman. Alors, on va regarder la caméra. D'accord. On va applaudir, s'il vous plaît, Madame Morissette Kouassi, s'il vous plaît. Alors, promotrice de Miss Culturelle. Déjà, comment est venue l'idée? Alors, Miss Yova Culture est à l'origine du concept qui englobe la beauté naturelle. On va regarder la caméra, d'accord? Ok, la beauté naturelle, la connaissance culinaire, la maîtrise culturelle et une éthique morale. D'accord. Et d'où est partie cette envie de vouloir faire ce concours Ivoire Culture? Bon, Miss Ivoire Culture, il faut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui la jeunesse, nos jeunes sœurs, oui. Parce que moi aussi je suis jeune, étant jeune, nos valeurs se perdent. Exactement. Donc, c'est une manière à nous de faire revenir nos traditions, nos mœurs et coutumes. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. On va regarder une fois de plus. Voilà. Voilà. Je crois que on va s'imiter. Ah, je crois que c'est une pause. Oui. D'accord. Merci. C'est l'élégance. Il ne faut pas trop t'approcher, elle n'est pas... Ah, je suis toute petite à ses côtés en plus. Bon. C'est clair que je ne peux pas faire Miss aussi. Il n'y a pas qu'il y un mélange. Elle compte aussi dans le concours, non? Non, bon, en fait, nous sommes en train de promouvoir la jeune fille ivoirienne et africaine. Donc, on sait aujourd'hui que la jeune fille ivoirienne, africaine ou la femme africaine, il y a toutes sortes de formes, il y a la taille, il y a le teint. Donc, nous, on n'a pas, si vous voulez... Mais pas le chat. Voilà. Dans les critères, il n'y a pas... C'est tout ce qui est naturel? Voilà, naturel. La beauté naturelle. Sans yomo, hein. Naturel. Mais ce que j'ai remarqué, ce sont les Miss. Elles ont tous une coiffure africaine. Justement, on peut la montrer. Hein. Nous sommes en train de promouvoir, c'est ce que je vais dire tout à l'heure, nous sommes en train de promouvoir la culture ivoirienne et africaine. Voilà. Donc, d'accord. Et c'est bientôt la finale, c'est demain? Justement. Ben, la finale, c'est demain à PAM Club à 19h. La grande finale Miss Ivoire Culture, la 5e édition. PAM Club, 20h. Une entrée? 5, 10 et 20 000 francs. D'accord. Les VIP là aussi. Les candidates, vous allez bien? On peut battre un peu des campagnes? Venez. En bleu, viens. On applaudit, s'il vous plaît. Venez. Viens aussi, Clémentine, viens. Tu t'es levé, t'as fait comment? Faut venir. Viens. Va là, venez là comme ça. Clic, clic. D'accord.
Allez, donc, d'accord, que y a une plume, on va monter. Vous êtes, voilà, d'autres vont monter. C'est la belle ivoirienne, hein, Seigneur. Voilà, parce que je vous emprunte le micro quelques minutes. D'accord, voilà. On commence, je commence par. D'accord, allez-y. C'est pas des perruques, hein, c'est des vraies choses. Exactement, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Super. Nom, prénom? Soro Tangadene Mariam. Je savais qu'elle était ce nouveau. Alors, pourquoi on va accepter de participer à ce concours? J'ai décidé de participer à ce concours pour promouvoir la culture sénoufo. Oh. Et puis, j'ai tous les atouts pour gagner aussi. Candidat numéro 14. 14. Donc, demain, quand on arrive, on clique numéro 14. 14. La supporter, est là. Il y a supporter. Aïe, ça, il faut les payer. À côté de vous, en blanc. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Elles sont respectées. D'accord. Alors, c'est... Il te dit, hein, pourtant, c'est Lynn. Pardonnez à Vincent. Car, nom, prénom? Moi, c'est Miss Martine Yawa. D'accord. Alors, Miss Martine Yawa, quels sont, je vais dire... C'est Nyawa, elle a dit. Nyawa. Yawa. Yawa. D'accord. On va dire, chaque Miss a son combat. Ah, c'est quelle est-il, maman? Attends. Abron. Abron. Ah, d'accord. On dit chaque Miss a son combat. Quel est le tien? Moi, c'est de promouvoir la beauté naturelle. D'accord. Et le teint, il est hyper beau, en tout cas. Santia. Belle coiffure. C'est candidate numéro 6. 6. Merci beaucoup. Donc demain, rendez-vous pour le club candidat numéro 6. Ouh, ça va bien. Vous qui êtes là-bas, ne vous dites pas que vous avez perdu. Hein. C'est comme s'il y a... D'accord. Candidate numéro 20. Alors, donc c'est rendez-vous demain. Oui, demain à 19h, Palm Club Hotel. OK. Je suis la candidate numéro 20, Zokoulou, Touboué, Anne-Marie. Je suis gourou. Ah, hey, ah, ça, c'est ça. Hé, hey, Yaoya, les gourous. Juste... Oh, Bégane. Moi, c'est mademoiselle. Ah, Bégane. Oui. Cabo, cabo. Je suis la candidate numéro 9. D'accord. Alors, candidate numéro 9, qu'est-ce que tu nous réserves demain? Demain, je vous invite à Palm Club. Venez nous soutenir. Venez nous, on va faire le show ensemble. Très bien, c'est quelle ethnie? Pas oublié. Hey, on accompagne s'il vous plaît nos candidats. Rendez-vous demain à Palm Club. Hey. Madame Moët Kouassi, merci beaucoup. Merci d'être passé une fois de plus. En tout cas, rendez-vous est pris demain et bonne chance pour la suite. Je sais que c'est pas facile d'organiser un tel événement. D'accord. Merci. On raccompagne Madame Morissette, s'il vous plaît. Le choc des titans. Bonjour. Ça va bien? Le choc des titans. Très bien. Alors demain on va boxer dur, on va taper dur. Oui, ça sera du loup demain. Mm-hmm. Voilà. J'arrive, on est des États-Unis. Oui. Juste pour participer. Oui. Vas-y. Pour participer au combat, mm-hmm. Le choc des titans. Comme le nom le dit si bien, le choc des titans. D'accord. Voilà. Et il sera en face de qui? Il sera en face de Ibrahim Kaba. Ibrahim Naka qui s'est entraîné. Hein. Kaba, voilà. Mais les deux sont américains? Non, lui il est ivoiro-américain. Ah, il est venu représenter son pays. Okay. Voilà, il est meilleur dans sa catégorie aux États-Unis. C'est quel poids il fait? Et c'est poids lourd, poids léger, poids... Et il fait 75. Okay. 75. D'accord, et ça se passe où? Là-bas. Au Palais des Sports de Trècheville. Palais des Sports de Trècheville, entrée gratuite? Non, entrée payante. Payante, d'accord. Donc rendez-vous demain au Palais des Sports de Trècheville à partir de quelle heure? À partir de 16h, ça démarre. Lui, très bien. Fait son combat à partir de 21. Le combat préliminaire et puis ensuite la gare principale. Ouais. D'accord. Merci beaucoup à toi. Ok, je vous en prie. Alors, c'est l'heure de l'instant que vous adorez tous. Vous le savez bien, ça s'appelle l'enjaillement d'oreille. Imra. L'enjaillement d'oreille. Ça va bien? On va se mettre d'accord. On est en direct. Sharif, ça va bien? On va se mettre d'accord une dernière fois. On est en direct. Si vous me refaites le coup de tout à l'heure, non, c'est pas mon but, c'est pas mon flow, vous sautez de mon plateau. Vous êtes nerveux. Moi, je boxe en direct. Je fais rap aussi. Ça me fait bon, ça me fait bon. Et si lui, il a mordu, il a ses dents. Ça, là. C'est Thanos qui est en enfer, ça, là. Alors, je vous explique le principe de enjaillement d'oreille. Il est très simple, hein. Bess et toi, vous allez improviser une musique et une ça chanson, sera une chanson. Voilà, c'est simple. Donc vous n'avez que 45-30 secondes. C'est, vous voyez, tu d'accord, vois un on peu peut, on peut entendre un peu. Voilà donc, hein. On va chanter.
C'est la même chose. Moi-même, je sais que je chante seul aujourd'hui là. Parce voilà. Donc, toi, tu as un danseur. Ici, donc, toi, tu danses et moi, je chante. Il y a un chanteur, il y a un danseur. Ouais, à peu près. C'est l'instru qui est là. Ok, c'est l'instru qui est là. Vous avez 30 secondes pour nous concocter une musique. Ok? C'est bon? Bon, le fou, et après. Voilà. Vas-y. Allez, la piste vous appartient. Imra et Bess. On y va, viens. On va chanter là-bas. On applaudit la team, Imra. Un peu de volume. Ok, bon, t'as fait là. Le volume, s'il vous plaît. On chante beaucoup. On chante beaucoup. On danse beaucoup. On ne dit pas beaucoup. L'argent, beaucoup. Les gars, on écoute. Mousseau, beaucoup. On chante beaucoup. On chante beaucoup. Le mauvais t'a laissé le couplet, il a fait le refrain. Moi, il a fait mon vlog. On y va. Donc le refrain. En fait, le gars, il aime rigoler. Si on lui avait demandé de rire tout à l'heure, chose qu'il allait faire. On joue beaucoup. On joue beaucoup. On joue beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà. On joue beaucoup. On joue Imran, c'est à ton tour. Beaucoup d'argent. Beaucoup de femmes. J'ai fini beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ainsi la seule. Charaf, Oné et Raïté. Je crois que le titre de Bess, c'est beaucoup. 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 On veut beaucoup tout. Et mieux, moi, c'est fatigué. D'accord. Là, il faut venir chanter. On applaudit Raïté et son binôme, s'il vous plaît. Et... Allons. Oh, il va boxer. Il va faire quoi? Bon. Vas-y, fais quelque chose. La musique ne se fait pas en anglais. Il rit seulement. Elle ne se fait pas en anglais. En français, oui, en espagnol, c'est vous qui voyez. Je danse. Non, chante. Chante. Il vient la grosse. Il rigole. On essaie quelque chose. D'accord. Ok. Ici à Barbie, on aime danser et s'amuser. Ici à Abidjan, on aime faire la fête partout. Ici à Abidjan. Abidjan, viens. La petite, c'est le danse. Ici à Abidjan. On aime danser et faire la joie ici à Paris. On aime faire la fête ici. Merci beaucoup, Raïté. Ouais. Un sou de Huawei. C'est grave, franchement. Bon, honnêtement, public, déjà, votre choix. Raïté, Charif, Imra et Bess. T'as beaucoup l'argent. Bon, on va chanter, on va tout que l'on va entendre. Eli, chantez. C'est pas bon. Non, il n'y a pas du public, hein. Beaucoup, hein. Nous. Attends, on va chanter ça. Lénis, vous confirmez quoi? Raïté? Oui. Donc on applaudit Raïté. Oui. 27, 22, 40, 12, 58. C'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour départager les deux équipes, l'équipe de Raïté et Charif Oné et l'équipe de Bess Ajaye et Imra. Qui mérite les applaudissements du public? Allô? 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 Comment tu vas, ma camarade? Bonsoir. Dis un nom, prénom. Allô? Ça va pas aller vite. On va prendre un autre appel. Non, si, après on l'entend. C'est parti! 27, 22, 40, 12, 58, il ne reste plus à 6 minutes quand même. La team de Raïté, on vous sent pas, hein? On fait la fête, on fait la joie. 27, 22, 40, 12, 58. Allô? Oui, allô? Bonsoir, nos prénoms, s'il vous plaît. C'est Do Pacom. Alors, Pekom, bienvenue à madame, monsieur, bonsoir. Dis-moi un peu qui de Raïté ou de Bess remporte ce soir. C'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, hein, c'est Abidjan. Abidjan. Il dit ça va beaucoup, hein. Vous êtes grave.
Ah bon, mais toi, tu es la chute, 27, 22, 40, 12, 58, on va prendre un tout dernier appel avant d'effectuer une fois encore. Allô? Waouh. Allô? Oui, allô. Bonsoir, ouais. Nom, prénom, s'il vous plaît. Moi, c'est Tobish. Il dit quoi? Comment? Tobish. Tobish. Tobish, d'accord. Alors, ça. Qui de Raïté et de Gouest remporte ce soir? On sait beaucoup. Moi, c'est le groupe de Imra. Imra! Ah, ça fait 1-1. D'accord. C'est beaucoup. 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 Bon, merci beaucoup. Alors, public. Honnêtement, c'est vous qui allez départager. On parle d'Amapiano, c'est pas autre chose. C'est pas les zouk qu'on met dans Amapiano. Mais qui a fait zouk ici? Moi, je n'ai pas le temps. Hein. Oh. Eh, public, Raïté, Bess, on prend qui? Raïté. Beaucoup. On met beaucoup d'argent. Bon, on part pour un match nul. Merci beaucoup. Ça va, chien. Quand il veut faire combine, il va le dire. Alors, Imra, ça va bien? Oh, bon, on me dit, on peut se mettre un dernier appel pour vous départager. Okay. Non, il faut causer un peu. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Nom, prénom, s'il vous plaît. Jean? Jean? Jean, faut parler. Vous allez vous éloigner de votre pote récepteur, s'il vous plaît. On va aller pour un match nul. Ah bon, voilà. Bon, Jean, même, toi-même, il savait. Bon, d'accord. Okay, alors, je t'ai dit, bon. C'est fini pour l'enjaillement d'oreilles. Avant de passer au ça déconne, rapidement, je veux savoir. Imra, ça va? Ouais. Super bien. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce qui nous attend demain? Là, il y a mon concert le 26 décembre. D'accord. Le mardi 26 décembre au stade d'Angré. OK. Donc voilà, c'est un concept sauvage. La scène, c'est quoi ça encore? La scène au milieu du public. Ah OK, tout autour, le public se met, le ouais. Le public sera autour et la scène... Il me repose. Il me raconte, quand tu es sur scène, quand tu es derrière ton écran de téléphone, pourquoi tu es bavard? Tu es timide? Raïté, non, moi je suis pas timide, je suis calme. T'es calme? Ouais. Pas de la timidité. Il parle quand il faut, ouais. Je suis calme. Même pourquoi aujourd'hui, là, j'ai l'impression que t'es trop calme pour mon plateau ce soir. Ça ne me plaît pas. On va mettre quelque chose pour encourager Imra, s'il vous plaît. On va applaudir Imra en plus. Voilà. Alors, Imra, oui, dis-moi maintenant. OK. Show. Donc, on reparle du show. Le 26, au terrain d'Angré. Oui, 26, stade d'Angré. Ouais. Ticket unique. Les tickets sont disponibles en ligne. Vous pouvez aussi appeler pour les avoir. C'est 5000 les tickets. D'accord. Alors, dans la cage, on aura qui? Il y aura Suspect, il y aura Team Depoy, il y aura Kaja, il y aura Fireman. Wow. Franchement, ça sera du hip-hop. Que des sauvages, man. Alors, c'est un principe, c'est clair. Il a dit que moi, j'ai connu au Togo, au Gabon. Cependant, pourquoi l'avoir amené à Abidjan? Qui ça? Le principe de rapper dans une cage et le public. Ouais. Déjà, il faut développer notre industrie. Il faut changer ce que les gens ont l'habitude de voir. Mmh. Voilà, et vu que moi, je suis un artiste qui... J'adore la scène. Mmh. La scène, c'est ce qui fait de moi un plus dans ma musique, donc aujourd'hui, si j'ai l'occasion de faire des scènes différentes, je me lance, quoi. D'accord. Est-ce que tu penses que ça correspond à notre environnement, ce type de flow? Viens, mais tu vas voir la vidéo, là. Non, il y a ça plus de ça. Gars, tchamana, hein. Comme la commande, c'est déjà, non. Tu vois que là, maintenant, je commence à me plaire. Tu vois un peu? Ah bon. Alors, pour un mec qui parle le nushi H24, je veux savoir, combiner de la drill avec du nushi. Je vois, pour dépeindre les réalités ivoiriennes un peu, tout ça, le flow, le style, d'où quitte le génie. Parce que je sais que le Nushi, il y a eu Nash, il y a eu Luxi, il y a eu... Tu ne peux pas tout citer, il y a Nuka même. Il y a Nuka, tout même. Ça, oui. Il y a Gabar 50, tout ça. Mm-hmm. Mais toi, mettre ça sur du drill, sur de la drill, on dit ça, pardon. Ouais. Bon, le Nushi, déjà, c'est la langue qu'on a, oui. Tout le monde parle à Abidjan. Mm. Donc, même si je suis influencé par... Je dis n'importe quoi, Jay-Z ou Beyoncé, je ne vais pas chanter comme eux. Ouais. Donc voilà, donc j'ai juste adapté cette musique américaine-là au Nushi. Mm-hmm. Mandy, faire rap hardcore, il n'y a pas l'un dedans. Toi, tu fais pourquoi? Ah, viens, mais tu ne me vois pas. Il y a l'un dedans. Ah, oui, ah, là. Ah, OK. Il y a là. Très bien. Maintenant,
Sharif, il est palais, toi. Il est pas panglais. Allez, les tranquilles, il a posé une question. Mais il comprend. Sharif, ça va bien? Alors, donc, demain, tu vas boxer dur. On peut compter sur toi? On peut parier sur toi? D'accord. T'as pas peur de ton adversaire? Moi, je veux savoir sa carte bonus, c'est laquelle? Tu vois, non, c'est respect. Parce que. Il veut gagner, moi je veux gagner aussi. Mm-hmm. So, demain, on va voir qui va gagner. Mm-hmm. Ah, demain, on va voir qui va gagner. Yeah, yeah. Donc, demain, il va boxer. Boxer fort, fort. Ouais. C'est ça. Boxer fort, fort. Beat. Et puis, win-win. Ouais. Yeah. Donc rendez-vous demain. D'accord. Aline, après avoir suivi ensemble des cours d'anglais. D'anglais, parce que c'est là, ça. Franchement, elle veut dire quelque chose. Pas, hein. Ça décolle. Win-win. Force. Je veux dire. Oui. Merci beaucoup. De rien. Tu vois, non, Jimmy Tare, il a appelé moi, il dit, ah, est-ce que tu veux faire la combat ici? J'ai dit oui, parce que j'ai ivoirien. Mm-hmm. Tout le monde connaît ça aux États-Unis. So, j'ai content parce que merci mon family, il a fait beaucoup de choses pour moi, et Jimmy Tare, tout le monde là, ici, et j'ai vraiment content ici. So. Il est content d'être là. Ah, mais ça, ouais. Ouais. Franchement. Non, on a compris. Non, on a compris. Very, very happy, very happy. Thank you. Regardez, Mankono. Tu dis quoi? Ton village, c'est où? Bété. Tu es Bété? Ah, tu es Bété. Budget global. Tu es aux États-Unis à quel âge? Hein? Tu es allé aux États-Unis? 7 ans. À 7 ans? Oui. 7 ans. Ah, okay, ah d'accord, okay. À cause de ça. OK, ah, on comprend mieux. Mais par contre, Imta, toi, le Burkina Faso, c'est une longue histoire d'amour, hein? Moi? Oui. Ouais, franchement, j'ai un bon public au Burkina. Bonne fanbase, ouais. Une bonne fanbase, ouais. Parce que j'ai vu que tu as rempli deux fois, c'est deux, ouais, trois fois. Là, même le 23, j'y vais encore. Il a rempli quoi? Oui. Tout c'est chaud. Oui, c'est ça. Les gars. Excellent. Parce que, ce qu'il ne sait pas, je l'ai déjà reçu sur mon plateau à Ouaga. C'est vrai que j'ai grossi. Donc, quand je le peux, je le regarde. Tu n'as pas reconnu. Ouais, mais je me dis, mais attends, c'est pas le mec que moi j'ai connu à Ouaga. Il est plus chaud que ça, il est plus d'homme, je sais pas. Peut-être que sa gueule a un gourmet. Mais on applaudit quand même. Ouais. Alors, avant de retrouver Imra sur scène pour une belle petite prestation comme cadeau de fin, on va aller pour le Sadecon, Bess et Raïté vont représenter leur équipe ce soir. Mm-hmm. Alors, vous allez piocher. Je vous explique le principe du jeu. C'est les animaux encore? Oui. OK. Ouais, c'est simple pour aujourd'hui. Il y a les cafards là-dedans? Peut-être bien. Mais ça, c'est quoi ça? Ah non. Non, mais... choisis, on ne change pas. Hein. Non. Alors, serpent, elle va ramper. Ta binôme, elle va imiter un animal. Binôme, et... Oui, mais non, après lui, il ne sait pas. Un animal, c'est un animal. Il va comprendre ça comme vous aussi. Il va dire ça en anglais si possible. English. Il va le bêter aussi. Il va dire en bêter. Il y a les gagnants. Donc vas-y, t'inquiète pas. Oh, le public peut deviner aussi, hein. On joue avec tout le monde. Non. C'est samedi, on fait la fête, on se prend pas là. J'adore mon public. Pardon, c'est vendredi, je suis tellement impatient d'aller au PIA. Eh, hey, Seigneur, les choses. Alors, c'est parti. Il faut regarder la caméra là-bas. C'est un oiseau. On n'oublie pas 10 secondes. Allez, c'est parti, on encourage Raïté. Mapuka. C'est quoi, caméra? Non, sincèrement, c'est compliqué, hein, je peux pas. Mais tu donnes ton dos à qui? Mais... Raïté, ton équipe... Non. C'est quel animal? Non, sérieux, c'est un dromadaire. Tu donnes ton dos, là. C'est un dromadaire. Bon, ça, là, je sais pas. Dromadaire, tu peux comme ça? Comment? Dès qu'elle vient. Alors, moi, je suis content, tu as trouvé ça. Oh, Kamel. Bon, tu bosses comment? Alors. Non, vous êtes sérieux là, vous de là. Alors. Vous êtes grave. Ben, c'est à ton tour. Yeah. Donc, c'est pas la rampe. C'est pas même. Non, tu choisis. Tu choisis. Oh. Non. Ah. C'est ça. Va faire là-bas. Donc, Imra, il va imiter un animal et tu dois deviner en quelques secondes. C'est pas facile, mais on va essayer. Ouais, vas-y. Ouais, c'est ça, ouais. Lion. Tigre. Loup. Oh! Voilà. On est calme. Mais je sais pas où j'ai fait ça. C'est fini pour le Sadecon. Public, vous applaudissez une fois de plus.
honnêtement, j'adore mon public. Est-ce que la caméra peut me prendre ici, s'il vous plaît? Est-ce que... Vraiment, vous êtes bien, vous êtes hyper cool, vous êtes hyper choc. Je vous aime, je vous adore, franchement. Merci d'être toujours présente comme ça. Et du coup, j'ai juste envie de tirer le gars qui est là pour me tirer la rousse de ce soir. Viens! Attends. Alors. Cadeau. C'est l'un des pères qui on va jouer ça. Ça, c'est 1 000, hein? C'est un. On applaudit! Ah, bon. Ah, hé! Ça, le show qui est là. On espère que ça ne soit pas en poteau. C'est un d'anglais, hein? Il va ici, il repart avec les 50 000 francs et il pourra peut-être acheter le ticket pour l'événement de Libra le 26 qui aura lieu au stade d'Angers. Ah, Poto, la roue elle est capricieuse ce soir. Je ne sais pas. Imra, tu viens, s'il te plaît. Voilà, public, merci beaucoup. Sharif, viens, s'il te plaît, que je puisse te dire merci. Dignement. En tout cas, je peux te serrer dans les bras? Oui. Merci. Vraiment, on est passé. Moi, on dit les boxeurs, c'est quand on commence à voir, quand on finit de boxer. D'abord, on voit le tout le monde pleure à la fin. Oui. D'abord, on voit. Attends, on va faire un truc. Comment on boxe? Si t'as tapé vrai, c'est l'émission, hein? Regardez, ça me plaît. Imra, Sharif, merci d'être passé sur notre plateau. Bonne chance pour vos événements distinctifs et amusez-vous, franchement. Et profitez des vacances. On espère aussi que Imran aura un son pour la Cannes. Absolument. Mmh. Un père en Cannes. Un petit truc pour la Cannes. On n'aura rien. Et dis, on lui donne combien? Surprise. D'accord. Voilà. Alors, sur ce, on se donne rendez-vous lundi. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, n'oublions pas que Madame, Monsieur, bonsoir, c'est l'émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Je vous laisse en compagnie de Imra. Yeah, les gars, go! Machette, légende classique, on a rappé à Viato au classique. Il a voulu, maintenant que c'est fait, bof, rien de fantastique. J'ai fait beaucoup pour eux, ils sont pas reconnaissants. Et sinon, dans le futur, aucun connaissance. C'est Blata au Blomo, Blomo. Les maudits ont ce mot, ils sont dans tous les cas, on est Godo, Godo. C'est plata au plomo, plomo. Les maudits ont ce mot, solo. Dans tous les cas, on est godo, godo. Tu sais, nous, on n'aime pas les foutaises. Tu peux éviter toutes les promesses. Ils ont peur de mon talent, de l'énergie que je génère. La rage est dans le sang, tu sais pas ce que je ressens. Tu peux sentir la pression. On n'est pas chanceux, donc obligé de grouiller.